Chers amis, je suis ici en direct au rassemblement des agriculteurs, des paysans, aux alentours du Parlement européen. Vous voyez ici, au fond, voilà l'une des entrées du Parlement européen. Vous voyez l'ambiance, de multiples feux ont été allumés, des tracteurs circulent tout aux alentours, des banderoles évidemment signalent l'opposition aux accords de libre-échange de type Mercosur. Il y a beaucoup de très jeunes paysans. C'est aussi très marquant de voir la génération qui est là, beaucoup de très jeunes paysans. Et il faut en profiter du coup pour vous donner un petit peu la position de Civitas International sur cette situation de la paysannerie en Europe. C'est l'occasion de rappeler qu'il faut prôner la souveraineté économique, que la situation lamentable à laquelle est confronté le monde de la paysannerie résulte directement du fait que l'Union européenne s'est accaparée la politique agricole, que les nations sont dépourvues désormais de toute autonomie en la matière, et que cette politique agricole commune imposée par l'Union européenne, elle se fait nécessaire au détriment des paysans français, belges, allemands, etc. C'est une politique agricole dont on voit directement le résultat dans l'affectation du budget de politique agricole alloué aux Français. Vous avez peut-être entendu cette possibilité que vous avez d'aller voir sur le site Télépac l'affectation des budgets de la PAC aux dits agriculteurs français. Or, vous verrez que, en l'occurrence, une grande partie du budget alloué officiellement aux agriculteurs français part en des collectivités, part aussi, tenez-vous bien, notamment en région parisienne, aux entités Rothschild pour des activités viticoles. Tenez-vous bien, le budget de PAC destiné, de politique agricole commune destinée aux Français, eh bien, alloue pas moins de 1 100 000 euros à deux entités Rothschild pour leur activité viticole. Quand on sait que le prix des vins Rothschild se négocie bien souvent à plus de 1 000 euros le litre, vous pouvez évidemment vous demander comment il se fait que de telles entités bénéficient de subventions, d'aides à l'agriculture, alors que tant de paysans sont, eux, dans la détresse et ont toutes les peines à boucler leur fin du mois, ne peuvent pas se payer un salaire décent, sont endettés jusqu'au cou. Eh bien, voyez-vous, il faut vraiment souligner tous ces abus, toutes ces manipulations, montrer à quel point la politique agricole commune imposée par l'Union européenne, elle se fait toujours en faveur des grands groupes industriels, des banksters, des grandes familles, mais elle ne se fait pas en faveur des paysans qui sont ici, qui doivent reconquérir leur autonomie financière, qui doivent reconquérir une vie financière décente, mais pour cela, qui doivent aussi comprendre que cela passe nécessairement par sortir de l'Union européenne et par se libérer aussi de l'agenda 2030 voulu par l'ONU, qui contient notamment des directives destinées à tout simplement vous faire manger des insectes plutôt que de la viande au nom d'un prétendu souci écologique. Eh bien, tout ça, chers amis, c'est important d'en être bien conscient, et les agriculteurs doivent comprendre qu'ils ne pourront pas retrouver une vie décente sans revendiquer la sortie de l'Union européenne et sans combattre le nouvel ordre mondial, et particulièrement l'agenda 2030
et toutes les revendications aussi émanant du Forum économique mondial de Davos concernant l'agriculture et tout ce qui relève de l'alimentaire. C'est indispensable, il faut vraiment que les paysans se battent en ayant conscience des véritables enjeux, des véritables objectifs. Ça ne passe pas par une espèce de d'aide financière permanente, ça ne passe pas par être des assistés condamnés à vivre des subventions européennes. Non, ça passe d'abord et avant tout par se libérer des chaînes de l'Union européenne et par se libérer des chaînes du mondialisme qui veulent, eux, véritablement tuer l'agriculture sous prétexte d'écologie, qui veulent imposer un discours en faveur de la nourriture par insectes, de la nourriture par fausse viande produite par des machines, des imprimantes 3D, et tout cela au détriment nécessairement de la paysannerie.